Hello les gars! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Mon départ est demain, je précise, je suis en F1. Et en F1 j'ai eu la possibilité de prendre mon propre billet. Je peux avoir deux valises de 23 kg en soute. Ça va être beaucoup plus simple pour moi déjà de pouvoir tout emmener. Je vais quand même vous montrer tout ça. C'est parti! Au niveau des documents, il vous faudra votre passeport, votre placement, votre formulaire DS-160, autorisation de sortie de territoire français, le malgache c'est juste pour moi, formulaire F1L20, billet d'avion, Student Identification Card, le Educatus, les contacts et numéros d'urgence, ainsi que le guide du voyageur. Quelques photos d'identité si possible et des photocopies de votre carnet de vaccination. Ne vous inquiétez pas, tout ça est normalement fourni par l'ambassade ISPA ou bien par l'aide de vos parents comme les photos d'identité, la photocopie du carnet de vaccination ou bien votre passeport bien sûr. Donc j'ai sorti tous mes vêtements de mon placard et j'ai commencé à trier ce que je prenais et ce que je ne prenais pas. Donc franchement je fais ça assez rapidement. Bon les gars, je viens d'arriver à Atlanta et je suis complètement crevée parce que ça fait 40 heures que j'ai pas dormi. Donc là je suis clairement comme qui dirait éclatée, genre vraiment dans un état complètement second. En plus je vais écrire des trucs genre... Attends... Mince. Je vais écrire Miami, je me fais trop des films. Enfin bref, plus que 4 heures de vol et j'arrive à Phoenix. Hello, hello! Du coup, je suis arrivée en Arizona hier. Là, je vais juste manger, mais en fait, genre, je voulais vous montrer ça. Voilà quoi, la taille de la limonade. Enfin ouais, je trouvais ça juste trop drôle. Du coup, je vais goûter. Parce que parmi les seules boissons que j'aime bien, la limonade en fait partie. Ah, du coup, là, je vais goûter les cheese it. En plat, je mange, je crois que c'est du porc à la pomme, enfin ce qu'elle m'a dit, ça a l'air grave bon. Et après un petit muffin comme ça. Voilà, bisous. Alors du coup, pour vous donner une idée, donc mon armoire elle est comme ça, donc franchement elle est plutôt spacieuse. J'ai deux boîtes comme ça, ainsi qu'une autre là, mais on verra si j'en aurai besoin. Ensuite, j'ai ça, un rangement avec trois grands tiroirs. J'ai beaucoup de cintres et quatre petites boîtes en plastique là où je pourrais mettre par exemple des chaussettes, des sous-vêtements ou des petites choses comme ça.
du coup voilà, c'est terminé, j'ai rangé tout mon placard. Là il y a mes valises qui sont maintenant vides du coup. Sur le lit j'ai juste laissé donc les décos que je voulais mettre et tout ça, donc là c'est des dessins. Sur le mur, mais il faut que j'aille acheter de la pâte à fixe. Quelque chose que je dois compléter. Et mon petit carnet que je mettrai dans mon sac. Donc du coup, là derrière au centre, j'ai mis mes robes. Ici les t-shirts et chemises. Là une jupe. Et là toutes les vestes qui vont pas vraiment me servir du coup. Donc là il y a deux pulls et un kawé. Ici il y a tous les trucs de bain et tout, enfin bref, d'hygiène. Là il y a les maillots de bain, une boîte de masque et tous les médicaments que j'ai emportés. Ici du coup j'ai mis des jeans. De ce côté là on a juste un short parce qu'en fait j'avais plus de short adéquat et tout ça, donc pareil je vais aller en acheter. Dans la première porte on a les t-shirts. La porte, n'importe quoi, le tiroir. Dans le second tiroir, on a les trucs de sport, shorts, t-shirts, pantalons d'équitation, etc. Et là, il y a mes sous-vêtements. Là, j'ai mis toutes mes choses. Et là, c'est juste les vêtements qui sont au sol. Et donc, en fait, juste à côté de mon lit, il y a trois blocs comme ça. Donc, d'ailleurs, ils m'ont offert une gourde. Elle est trop jolie. Ici, on a tous les trucs dont je pourrais avoir besoin, etc. J'ai pris des livres aussi, des masques, enfin bref, tous des petits trucs dont j'aurais pu avoir besoin, dont j'ai besoin. Ici, on a le reste. Là, j'ai mis tous mes chargeurs dedans. Là, c'est encore des cadeaux qui m'ont offert, des cahiers d'organisation, des cahiers de mandala. là, c'est des crèmes solaires. Il y a des trucs pour dessiner et tout en dessous parce que bah, j'aime bien dessiner. Et là, c'est tous les papiers importants. Donc, il y a le passeport, le carnet de santé et tout et tout. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo.